Alors, on est d'Enry. Enry, c'est un petit village de 1600 habitants à peu près, au cœur de la Moselle, sur l'axe de Metz-Thionville. J'ai construit en 2009, j'ai lancé la construction d'une maison dans la rue parallèle à celle-ci. Et voilà, après, la famille s'est agrandie, on a voulu agrandir la maison et du coup, on a reconstruit avec Maison d'Enfance parce qu'on n'a jamais eu de soucis avec eux, quoi, en fait. Ils font du bon boulot. Comme on dit, non, ils travaillent très bien, les artisans avec lesquels ils travaillent sont superbes. Donc on a vendu la première maison en 2010, qui s'est vendue très bien parce que bon, on est sur un bon axe, et puis parce que quand on voit constructeur Maison d'Enfance, les gens savent quand même que c'est de la qualité. Alors les plans, en fait, je les ai faits moi, vite fait, des croquis. On a bien étudié ça avec madame parce que la première maison, on a vu deux, trois petites erreurs. On dit toujours qu'il faut trois maisons pour avoir une maison parfaite. On est déjà à deux, mais bon. Et du coup, voilà, on a fait une maison qui fait 177 mètres carrés. On a trois chambres à l'étage avec une salle de bain pour les deux chambres des enfants, plus une suite parentale pour nous avec une salle de bain et un dressing. Et au rez-de-chaussée, on a en fait salon, salle à manger, cuisine et une salle de jeu avec une salle d'eau à côté parce que comme ça fait une chambre d'amis en fait, si besoin. Nous, on voulait quelque chose de ouvert, épuré à un maximum. Et puis bon, on a fait la pièce au fond avec la verrière parce que comme ça, on a la possibilité de surveiller les enfants quand ils sont en train de jouer. On n'a pas eu de mauvaise surprise. Si vraiment il y a eu un petit problème, c'est arrangé avec eux et puis ils sont venus, ils sont intervenus tout de suite, quoi. On a la maison comme sur le plan qu'on avait fait au départ, quoi, en croquis. Donc voilà, après, on imagine toujours plus grand aussi, on veut encore plus grand, mais on verra pour la troisième.